d'argent payé, en voici la preuve avec Azari and Three and Third. Je ne sais pas trop, mais c'est leur album homonyme. Un album qui est sorti l'an dernier en Europe. C'est un groupe canadien, mais ça vient juste de sortir au Canada. C'est étrange quand même, duo canadien. Et pour ceux, je vous dirais, ceux et celles qui aiment les premiers albums de Scissor Sisters, Hercules and Love Affair, ou encore le mouvement Acid House du milieu des années 80, inventé à Chicago, ça devrait vraiment vous plaire. Ça fait penser aussi à des Britanniques comme Soul to Soul, 808 State, ou celui qui a fait This is Acid, Maurice, qui est un Américain. C'est de la musique techno, un son qui n'est pas trop chargé. Les percussions sont en avant parce que le but, c'est de danser. Il y a toujours une bonne basse très efficace. Et c'est pas trop loin des sons rave, ce que moi, j'aimais bien, le son rave. D'ailleurs, j'ai le prochain Vitalik la semaine prochaine qui s'appelle Rave Age. Et il n'y a pas que des chansons, il y a aussi beaucoup de musique instrumentale. Ça se danse, mais ça a du mordant. C'est rien de moins qu'un excellent disque, un extrait de Into the Night.